Bonsoir, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est toujours au Parc Exposition, donc une deuxième partie, une première partie qui a déjà été faite au HKTDC, donc un autre salon. Et en fait, là, c'est un deuxième salon qui s'appelle le ASEAN World Expo. Je triche parce que c'est marqué derrière aussi. Donc, il est plus dédié, vous allez voir maintenant, à l'électronique. Mobile électronique, smartphone, device. Donc des choses qui vont m'intéresser un peu plus pour moi, parce qu'on va pouvoir voir toutes les marques, donc ça va être quand même plus intéressant. Une vidéo qui sera pour vous, vous aurez en fait certainement trois vidéos. Vous aurez une vidéo demain où en fait vous verrez un teaser, où on fera voir un petit peu l'essentiel et rapidement ce que vous allez pouvoir avoir. Il y aura une deuxième vidéo où là, on s'attardera plus longtemps en fait sur les produits, enfin surtout sur les marques, comme ça, où ça me permettra de parler un petit peu pendant l'exhibition. Et enfin, il y aura une troisième partie qui sera réservée au Geek Plus, forcément, où là, on aura carrément toutes les présentations de tous les modèles qu'on pourra voir. Et pour ceux qui ne pourront pas l'avoir, il y aura une quatrième partie, enfin une troisième partie bis, où en fait, on détaillera tous les produits un par un, où on essaiera de faire une vidéo. Par exemple, on pense à Elephone qui nous a promis de nous faire voir un nouveau modèle, Ulefone aussi, voilà. Et certainement des marques qu'on va découvrir, comme Ramos, qu'on a vu à l'entrée, des choses comme ça. Donc, plusieurs petites marques qu'on va découvrir, ou plutôt on va essayer de rencontrer. Donc, j'essaie de pas tomber un peu en arrière, j'essaie d'avancer un petit peu. On essaiera de vous présenter un petit peu tout ça, vous aurez plusieurs vidéos. Allez, suivez-moi, on attaque tout de suite. Allez, nous voilà dans la première partie, donc device, on va rentrer, nous voilà enfin à la maison. Donc c'est bien, la bonne nouvelle c'est que ça n'a pas l'air super grand, même si ça a l'air quand même assez grand. On va continuer, on va prendre un petit cadeau, chéché. On va continuer par là, on va essayer d'aller se faire le stand là-bas, donc c'est pas hyper grand à mon avis. On va pouvoir, ça va être cloisonné hein, en fait, parce qu'il y a quand même deux halls dans un. On va aller au fond là-bas. Commencer par le commencement, on va regarder un petit peu le stylo qu'on nous a offert au début. Donc c'est la marque je ne sais pas, voilà, c'est la marque super bien. Comme ça on va faire un petit aperçu vite fait, je vais mettre ça autour du cou. Alors qu'est-ce qu'on a, nanana, donc là c'est pas mal. On continue, alors aimé, ah bien les produits aimés avec les batteries, donc là ça pourrait être assez intéressant, on va voir ça tout à l'heure. On avait déjà testé hein, les batteries pocket et tout, donc là bon petit produit. Ici, on continue, des montres, forcément, APPS, hop là, c'est les copains qu'on a déjà vu un petit peu dans l'ancienne exhibition. Ici, donc là, on a pour les chiens, on en a un petit peu, donc je fais ça un peu au pas de course, parce qu'on va vraiment attaquer le stand dans l'ordre, et non pas dans le désordre, essayer de s'organiser un petit peu, voilà. Donc là, on va attaquer là, c'est pas mal. Donc je vous fais voir un petit peu l'immensité du machin, voilà. Et tout. Alors on va attaquer les montres, je sais pas si je vais attaquer tout de suite par les montres. J'aimerais bien attaquer les téléphones tout de suite, mais apparemment non. Donc alors on va attaquer hop, par là-bas, je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il y a. Et après on essaiera de trouver les marques de téléphone. Là on est au 5A et les premières marques qu'on a vues c'était au 5C. Donc on attaque par le premier stand et là tout de suite une montre qui va vous rappeler tout de suite. Parce que bon bah, après nous on est très in-watch forcément. Et celle-là, vous voyez, une montre à aiguille avec une petite jauge et tout comme ça. En fait bah, c'est tout nouveau, c'est leur nouveau produit. Donc bon bah là, ça va un petit peu à la wifi. Donc là, bon après, ça c'est de la montre connectée. Donc pas intéressant. Le plus intéressant c'était vraiment celle-là là-bas. Hein. C'était la wifi qui m'intéresse pas mal. On va essayer de voir avec eux si on peut poser un peu des reviews ou pas. Et puis bah, on va continuer, on va être un autre stand. Bon j'étais inquiet de ne pas avoir de crayon et en fait bah voilà, on m'a donné un à l'entrée. C'est plutôt sympa. Bon, alors donc là on est vraiment dans le clan des smartwatches. Press. Donc alors on va continuer toujours dans la montre, on voit que c'est exactement la même chose qu'on a vu. On va pas tous les faire, on va pas rester une heure et demie dessus. Elle aimerait bien hein, que j'y aille et tout, mais non en fait c'est vraiment de la montre connectée comme on a pu voir un petit peu dans les autres. Donc on va avancer un petit peu au pas de course parce que sinon on va y passer des heures et des heures. Là on est dans le hall 5. Ah, c'est peut-être pour ça alors, parce qu'en fait on est peut-être plus dans le... Ce qui nous intéresse, ce sera peut-être plus dans le hall 7. Vraiment, j'ai plein de bracelets électroniques. C'est là. Alors on a des lunettes. Oh, pas mal, la petite casquette avec... on va aller voir un petit peu ça. Ça c'est assez intéressant. Donc des lunettes, en fait on en avait vu des lunettes sport un peu comme ça, je vais voir. Des lunettes un peu dans l'autre salon. Et... Mais le plus intéressant, c'est vraiment celle-là. En fait, vraiment la casquette avec... avec une petite meuf en rose, c'est intéressant. Ici, ah, vous avez vraiment de la caméra de compétition, mais ça permettra peut-être surtout d'avoir une caméra de meilleure qualité que ce qu'on a pu voir. Une caméra dans les lunettes, avec quelque chose qui est plus conséquent. Là, vous avez pu voir en plus les wifi, c'est pas mal.
vraiment des lunettes classiques. C'est vraiment des lunettes faites pour le sport où on aura quand même une meilleure qualité que... attaqué par une valise. On aura une meilleure qualité que les lunettes espions où là on aura quand même plus des produits qui sont dédiés au sport. Comme je pouvais m'y attendre, penser qu'ils auraient fait des trams, c'est le bordel en fait. On peut pas remonter là-bas en fait, c'est plein de petites trams comme ça et tout, donc c'est un peu compliqué. On va essayer d'aller se faire les stands, après on va commencer avec Aimé ici, on va faire un petit peu le tour. Et puis après on essaiera d'aller voir Utop là-bas, j'ai vu Lego, derrière on a Ramos. Et en théorie après on devrait trouver, alors peut-être pas dans les 5C, mais dans les 7 on devrait trouver après... Elephone et Ulefone juste derrière. On va essayer de faire un petit peu le stand ici, aimer, voir un petit peu ce qu'il y a comme nouveauté. Pour être sympa, j'ai vu qu'il y avait de la montre. C'est vrai qu'ils avaient attesté assez fort. On va essayer de voir un petit peu les nouveautés. Voilà. Alors, de la montre, la Nevo. Ah bah ça, c'est une montre qu'on m'a connue, ça. C'est une montre qu'on m'a déjà présentée un petit peu sur le... en commentaire. On m'a dit qu'il fallait absolument que je regarde. Donc voilà, elle est ici. On va regarder un petit peu. Donc là on va se retrouver à mon avis avec une montre classique. J'ai l'impression que ça va être tout de Factos. Ici, continue un petit peu. Alors là-bas on retrouvera les batteries qu'on avait déjà vues. Ici des haut-parleurs avec des haut-parleurs en bois. C'est bien, il y a l'air d'avoir un petit peu de dynamisme, c'est sympa. Là-bas les batteries externes qu'on avait déjà testées pour la marque. Pas directement mais pour un revendeur. Et là-bas, des casques. On va essayer de prendre un petit peu des informations sur les montres et ça pourrait être sympa. Oh, les petits... j'en ai un comme ça, une petite Xiaomi. Toujours sympathique. Voilà, on va essayer de s'attarder un petit peu plus sur les montres, pour être sympa. Bon, bien que les petites meufs n'ont pas l'air super emballées, mais on peut faire semblant. Allez, Sheng Feng qui va nous proposer bien sûr des montres connectées. On aura une rangée de tablettes et de téléphones ici. On va faire un petit tour vite fait sur des montres. Alors des marques que je connais pas tous. Hein. Là vraiment, on a plein de marques plutôt exotiques. Ici, bon, les vendeuses, enfin les vendeuses, c'est un grand mot, s'en battent les couilles mais complet de ce qu'on voudrait faire. Après, on ne les intéresse pas vraiment. Donc je pense qu'on va plutôt surtout se concentrer sur les marques un peu qu'on n'a jamais vues, juste surtout. Se concentrer un petit peu sur... Alors, ils vendent juste des caméras, des tablettes, enfin, voilà. On est vraiment sur la marque de... on est vraiment sur la marque de Shenzhen où ils nous vendent un petit peu tout ce qu'on aurait envie ici. Donc là on aura aussi des tablettes, voilà. Comme ça, on va vraiment essayer de quoi. voilà, comme quoi Lego, hein, je trouvais que c'était ceux qui avaient le moins de potentiel, mais c'est quand même assez drôle. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe chez Lego et voilà, on va continuer, peut-être qu'il m'a reconnu ou pas. Chez Lego on va en profiter un peu, maintenant qu'on est là, en plus on a réussi à trouver un boss, donc c'est plutôt pas mal. Alors le Elite qu'on a déjà essayé, alors nous on a déjà essayé le Elite 2, ici là on a un Elite 1. Alors, Elite toujours, alors en fait on va vous présenter succinctement un petit peu les modèles rapides, c'est vraiment les derniers. Alors en fait on aura le Elite 2, le Elite 5 et le Elite 4. On va essayer de les faire dans l'ordre. Alors le Elite 2, j'ai bien compris, ça va être super long. Alors la marque Aldo Cube, qui au premier abord m'a pas plus emballé que ça, mais surtout ils ont énormément de tablettes avec du Windows dedans, comme on peut voir maintenant. L'intérêt c'est que tous les Windows à partir des tablettes qui sont en dessous de 9,7 pouces, et ils peuvent avoir un Windows qui est gratos, donc forcément tous les fabricants s'en donnent un petit peu à cœur joie. Ici, on va voir un petit peu le modèle qu'ils mettent en avant. Donc le PC, l'Ultra, donc une tablette, vous voyez qu'on peut connecter un clavier, un Core chipset, le same as the MacBook, un écran Retina avec un processeur i7. Donc allez, on va essayer de découvrir un petit peu ce modèle-là et puis on vous fera un petit peu un tour d'ensemble. Puis je vais choisir elle. Il faut juste que j'arrête de boire. La marque Aldo Cube, ouais, non mais je vais me taper 3 heures de voyage. La marque Aldo Cube, bien sûr, c'est la marque Cube. Simplement, je veux voir ils ont mis Aldo derrière et tout. C'est apparemment, voilà, ils font plusieurs gammes. On a pris un contact, on essaiera de poser de la review. Bon, après, ça, c'est des produits qu'on peut avoir, donc c'est un peu moins important. Ici, on va continuer, on va essayer d'aller voir d'autres marques. Maintenant qu'on va essayer de moins se faire avoir. J'avais paumé mes cartes de visite, et surtout que j'avais paumé quand même. J'avais quand même paumé le pack complet, donc c'était un peu embêtant en début de journée de plus avoir une seule carte de visite.
Là, un stand plus sympathique. On vous en parlait la semaine dernière, le stand de Blackview. On va essayer de découvrir un petit peu les nouveaux NEL. On va surtout parler du S1 qui nous intéresse pas mal. Et après, vous allez voir, ici, on aura Uptel, donc je ne sais pas, Dougie là-bas, G5, FView, Alpaga, Momu, ah, on fait des téléphones étanches, une dame toute seule ici qui vend du U-Time, et elle n'a pas aimé. Hein. Allez, on va essayer de voir un petit peu, de découvrir si on peut voir bah, les nouveaux produits, on va parler du eLife S1 ou d'autres modèles, voilà, qui nous intéresseront un peu plus, parce que c'est un peu qu'on est venu voir quand même. Allez, nous y voilà avec le modèle, donc le eLife S1. Donc là, bon, le cadavre que vous avez vu là, c'est le eLife P1. Donc un téléphone avec 4G. Je vous fais voir un petit peu de zoom. On continue, nous voilà chez Momu. Alors Momu, bah, la spécialité de Momu, c'est les téléphones étanches. Voilà, je ne vous cache pas. Bon, pas les... On va faire une petite photo pour eux. Voilà, c'est fait. On va plutôt s'attarder sur les smartphones. Donc on est sur de la tablette étanche, la tablette classique. C'est quoi leur avion de chasse là-bas qu'ils mettent? Alors en gros, on a celui-là, il n'a pas de nom ce Momu. Bon, on essaiera de le trouver un petit peu. Donc du téléphone étanche, ici, de la tablette étanche. Hein, MT8382, on va regarder les processeurs, ça ira un peu plus vite. Le V7, ici, avant que madame finisse. Voilà, hop là, ça c'est bon. On va avancer par là, on va continuer. Téléphone, donc on est toujours sur le téléphone étanche, hein, assez sympathique. Bon, des petits téléphones. On est pas. On est, là, on arrive enfin sur du smartphone. Ici, donc là, vérifier qu'il ne soit pas noyé. Le. Ici, le menu V6. Bon, on est vraiment dans une gamme de smartphones étanches. Voilà. Le plus intéressant, ce sera vraiment celui là-bas, parce que on ne cachera pas qu'il a quand même de la gueule. Après, est-ce qu'ils ont l'air de vouloir vendre ou de venir me voir? Rien n'est sûr. Ici, ça prend surtout les bons de commande. En fait, on va envoyer les téléphones. Voilà. Là, on va enquiller. Bon, après, les téléphones étanches. On n'a pas vu énormément de modèles. On va essayer de voir si on peut voir l'autre. Et sinon, on enquillera avec le stand suivant. Voilà, et nous voilà sur le stand de Dougie, donc avec mon ancienne collaboratrice que vous avez vu là-bas. Là-bas, on a encore une autre. Ici, je ne sais pas s'il y a... à Ruben et tout. On va faire un petit tour d'ensemble des téléphones un peu vite fait et puis bah on vous reprendra après. Allez, comme on a quand même retrouvé l'ancienne team, là, c'est rigolo. Alors les nouveaux modèles chez Dougie, alors on aura le Valencia 2. Bon allez, maintenant qu'on est là et qu'on a fait sourire toutes les filles parce que bah, la moitié m'ont reconnu, on fait un petit tour. Alors celui-là, le Hitman ici, un téléphone qu'on n'a pas eu nous tester. Un tour assez rapide chez Allfine, on va faire un petit tour chez Bluebo, là ce sera quand même plus intéressant. Et après, on essaiera de faire G5, UForce, Uniton et je ne sais pas encore, je n'ai pas encore trouvé mes stands favoris. On va continuer comme ça, on va essayer de se faire un petit peu Bluebo. Bon, allez, maintenant que la carte du manager est prise, on va s'attaquer à leur dernier modèle. En fait, bah, un modèle qui est tout de suite, quand je l'ai eu en main, je fais « Ah ouais, on n'est plus chez Dougie, hein !» C'est quoi, il fallait même pas le prendre en vidéo. En fait, l'autre, elle est venue, elle me l'a repris les mains. En fait, il fallait pas le brancher. Je vais regarder. On va essayer d'aller faire un petit tour chez G5, en fait. G5, marque de tablette. Pas très populaire pour nous, mais ça peut être intéressant de poser des cartes. Welcome! Et de poser éventuellement des reviews. On va essayer de voir un petit peu ce qu'ils ont et s'ils ont envie de faire quelque chose. Allez, je vous fais voir un nouveau stand, le stand UI Bluetooth, Happy and High. Donc en fait, c'est surtout, bon après, on est sur de l'oreillette. Après, ce qui peut être intéressant, c'est les jolies filles qui marchent. Voilà, elles ne s'ennuient pas ici. Et là, on a une jolie fille qui fait du vélo. Donc voilà, pourquoi pas. Ça peut être pas mal ici. On est sur du casque. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. On est sur du casque. On est sur de la batterie. Bon, après, il n'y a pas plus de santé que ça. La pauvre, ouais. Elle regarde droit devant tellement qu'elle s'éclate. On va continuer parce que ce qui m'intéresse, c'est pas les jolies filles, c'est surtout les drones. Voilà, des stands qui sont bah, un peu plus populaires en fait. Les drones. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver. Des drones classiques, on va regarder un petit peu. Ici, donc du petit drone. On va essayer d'aller voir un petit peu là-bas ce qui se passe. Là, on a quoi? Du petit robot. Voilà. Alors, avec une petite télécommande. Ça peut être rigolo. Après, voir, à mon avis, il peut danser. Voilà. Alors là, en fait, on est sur du petit robot. Assez sympathique. Oui, bah il est fatigué le petit robot. Alors on met un petit peu en place. Ici, hop, elle a une télécommande. Voilà.
Et là, le petit robot, il danse. Quand il veut. Apparemment, en mode position, voilà. Un petit peu danser. Il va pouvoir faire un petit peu de sport. Là où on va dire que ça peut être par exemple un peu plus intéressant pour moi dans le sens, c'est qu'en fait la plupart ce sont des marques de Shenzhen, on est d'accord, qui ont envie de vendre en gros, donc ça c'est plutôt évident. Par contre elles ont surtout envie de se faire connaître, voilà. Et c'est pour ça qu'elles viennent jusqu'ici au Feiyutech, hein, la classe. Voilà, j'ai bien fait de venir par là derrière. Donc c'est des marques qui ont envie de se faire connaître, donc là elles peuvent être éventuellement intéressées pour faire de la review ou des produits bah, par exemple que vous connaissez pas, avec des marques que vous connaissez pas, qui pourraient trouver un intérêt avec nous en se faisant connaître, en faisant connaître un petit peu leurs produits. Vous aurez remarqué là-bas au fond Pipo, bien sûr qu'on ira voir après. On va faire un petit tour avec Feiyutech et puis on va voir ça après, et après on ira voir directement Pipo. Donc Feiyutech qui propose alors une large gamme en fait, hein. Moi j'en avais acheté un en plus que j'ai cassé, mais en fait ils ont beaucoup de modèles, non seulement ce modèle là ici, hein, qui est plutôt le modèle un peu selfie. Vous voyez, un peu, c'est normal, c'est la tendance. Ici, avec des modèles alors, plus courts, plus ou moins courts, surtout. Ici, vous voyez, avec le socle, donc ça peut être trop sympa. Enfin, des vidéos comme ça, en fait, bah, vous posez sur le socle. En fait, ça a l'air chargé, mais en fait, non, on est vraiment sur du socle classique. Ça permet de mettre la caméra comme ça. Ensuite, elle va se positionner, elle va vous filmer un peu comme ça de devant. Ça, c'est surtout pour les drones, hein, ce qu'on a vu, ce qui se passait un petit peu dessous sur de nombreux drones. Des choses qu'on va retrouver un peu ici, sur ce modèle-là. Où on va avoir la caméra dessous avec un Feiyutech qui permettra d'avoir cette visibilité. Ce qu'on a vu un peu quand on a testé les caméras avec les drones, c'est que la caméra, plus on met d'un coup, plus la caméra bouge chaque fois. Là, on aura plutôt une stabilité qui sera accrue. Compatibilité avec d'autres modèles. Ici, alors, je ne sais pas si c'est la Sony ou la Panasonic. À mon avis, ça va être la Sony. Et le modèle GoPro, ici, on va prendre un petit peu la dame. Donc, elle a bien son support et elle peut le poser là-bas. La caméra reste stable. Des modèles plutôt intéressants. Hein. Bon, après, la marque Feiyutech, on avait déjà testé un de leurs modèles, mais bah, c'est sympa de les connaître. Voilà, on apprend que j'oublie pas mon... Je vais bien finir par les oublier, mes cartes de visite. Oh putain, vous avez vu le lanceur là-bas? Un truc de dingue. Voilà, ici. Un lanceur de drone du FBI. Voilà, donc on va continuer un petit peu dans les drones, dans la lancée. Sympathique de prendre des bons contacts. Du texte, c'est en bonne voie. En plus, ils vont pouvoir me réparer le mien qui est juste cassé. Là, on est plutôt sur du drone. Alors, du drone. Alors, vraiment, la nouvelle tendance, hein, c'est du drone sur lequel on peut mettre des caméras. Alors, il y a le DJI Phantom quelque chose. Mais apparemment, on est plutôt sur du drone chinois, à mon avis, rebadgé. Les Chinois sont très forts là-dedans. Il y a énormément de modèles. Alors, des gros modèles qu'on peut voir ici. Vous allez pouvoir mettre pas mal de trucs dessus. Plutôt sympa, hein. Donc là, vous allez pouvoir mettre Create the best band of photography robot. Voilà. Donc bah, apparemment une compagnie qui n'est pas contre faire de l'OEM, hein. Vous pourrez rebadger après les drones. Après, c'est pas trop mon kiff, hein. C'est les drones, des genres de choses qu'on peut avoir un petit peu avec les revendeurs. Et puis ils n'ont pas l'air super motivés. Il faut vraiment arriver à trouver des managers pour avoir un peu plus de contacts. Bon, Pipo, je vous les fais pas, pas vous faire du Pipo. Bon, là, c'est une marque que nous, on connaît bien, parce qu'on arrive à voir leurs produits, ici. Alors, toujours avec de la tablette connectée. Voilà, donc de la tablette avec du clavier, des claviers. Là, on est plutôt sur un modèle, la tablette intégrée, voyez, dans un écran. On va pouvoir clipser en bas. On peut se trouver avec un ordinateur, avec un Core M, qui est marqué dessus. Donc des produits super sympas, hein. Celui-là il est assez sympathique, hein. En métal comme ça, on va essayer de demander un petit peu, elle se cache, on va essayer de demander un peu plus si on peut avoir des informations sur celui-là, et on continuera, hop là, ici, c'est pas possible, il est trop rapide, voilà. Bon bah on va essayer de voir après si on peut prendre un contact, et puis on reviendra vers vous,
juste après. Donc on ne lutte pas contre la mode avec une tablette toute en métal qui est juste magnifique. Allez, un petit tour d'horizon sur une, à mon avis, une box que vous n'avez jamais vue en fait. Donc c'est une Windows TV plus des tablettes. Donc en fait, vous avez tout intégré dedans, c'est la X. Allez, en passant par la Lorraine, on est passé devant King Zone, donc il y a toujours du monde. Donc voilà, et il nous présente aujourd'hui le K2, un 104 bits flagship. Ici, allez, on va s'asseoir, on a eu droit un petit peu quand même, bah, c'est l'intérêt quand on vient dans les salons comme ça. Ah, il veut le nettoyer. Ah, il va nous le nettoyer un petit peu qu'on ait un téléphone propre. Et un petit arrêt au stand. Je ne voulais pas m'arrêter, mais il y en a crossé. En fait, donc eux, ils sont spécialisés dans l'OM et l'ODM. Alors, avec des smartphones qui sont bah, plutôt un classique, hein, un smartphone chinois. Avec surtout des phones qui sont, alors pour l'intérêt, celui-là là-bas, vous voyez, il ressemble un petit peu au DG900 hein, qu'on avait vu un peu chez Dougie ici. Mais surtout celui-là, qui peut être intéressant pour nous à tester. Alors rendez-vous est pris avec le boss. Un téléphone qui est étanche, waterproof, ici. Donc un écran 5,5 pouces, MT6592, donc 3G, 4G, 2G, 3G plutôt. Caméra 13+5, 2Go+16, une batterie de 2600 mAh. Donc le plus intéressant, c'est vraiment qu'il va être étanche. Donc ça pourrait être intéressant de le tester, voir si déjà il est vraiment étanche. Et puis ça permettrait d'apporter un petit peu dans ce monde de smartphones de brut, un smartphone qui soit vraiment étanche sans ressembler à un smartphone Caterpillar. Alors j'étais en train de tourner et j'étais en train de me dire putain mais en fait c'est grand mais pas tant que ça, donc ça va être bien. Et je me suis dit mais où est-ce qu'ils vont être un peu chercher Ulefone, et voilà ils sont là. Et ce qui va être assez pratique, c'est que autant ici on va se retrouver avec Ulefone, qu'on va retrouver ici, là, et après plus loin là-bas on retrouvera Elephone, donc ce sera plutôt pratique. On les retrouvera sur le même créneau. Ici, on va faire un petit peu le tour d'ensemble. Alors là, on est chez Ulefone. Donc en théorie, on devrait avoir le DA N1. Alors je sais pas qui est mon nouveau manager top la classe Big Boss. Mais voilà, on va essayer de voir. À mon avis, il est là sur le côté. On va faire un petit tour d'ensemble. Et puis après, bah, on continuera. Ah bah oui, on a Oukitel là-bas. Vous voyez comme quoi. Ah bah voilà, on est vraiment sur le bon créneau. Le bon endroit, ils sont tous centralisés ici. Voilà. On va aller faire un peu le tour d'ensemble, on va aller voir à mon avis, on va tester, enfin prendre en main surtout. Ah, il est là-bas. Vous voyez, vous le voyez déjà, le Bitouch. Ah, voilà. On va regarder ça un petit peu ça et on se retrouve juste après. Donc le voilà enfin, il aura fallu venir quand même un petit peu loin pour le voir. Parce qu'il est drôle. Et du coup, je connais plus personne, ouais, parce que la petite meuf qui s'occupait de moi, elle est plus là. Donc on va vous présenter un peu tout simplement le Ulefone, donc anciennement DA N1, et maintenant qui s'appelle en fait le Bitouch. Voilà sur le stand de Oukitel, un stand qui va pas être facile parce qu'ils m'ont donné une sucette. Alors les sucettes c'est bien pour le gras surtout, mais c'est pas facile pour parler. Donc je vais essayer quand même de faire voir. Alors on est chez Oukitel avec la meuf en fait qu'on avait rencontré pendant l'exhibition, et elle va me prendre en photo, mais moi aussi je peux faire rien. Voilà, donc on a demandé pourquoi ils n'ont pas donné le téléphone alors que Denis il en a eu un. Elle m'a dit parce que le téléphone il est quand même assez entrée de gamme et qui préférait attendre d'abord le nouveau. Alors, on va présenter plutôt le nouveau, celui qui va arriver bientôt. Alors, ici, alors, ça va pas être facile avec la sucette, à mon avis. Ça va faire hurler plus d'un. Alors, attendez, je vais essayer de l'enlever. What's the name of this one? Universe Tap. Universe Tap. Universe Tap. Tap, that one. Ah. Back magic. Ok, donc là, c'est le nouveau prochain qui va arriver, qu'elle va nous donner bientôt en vidéo. C'est le Black Magic Universal Tap. Pourquoi Tap? Et bien simplement parce qu'il a un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière. Allez, nous y voilà sur le stand Elephone. Alors bien sûr, on était juste à côté. Et vous savez quoi? Et bien, le nouveau, un des managers de chez Elephone, est un ancien chez Dougie. Donc c'était sympa de le trouver ici. Alors, on se retrouve ici avec le P7000. Le P3000, un vraiment avec 2Go de RAM, 16Go de ROM, caméra 8+16, en fait, ben voilà, voilà la version upgradée à 3Go de RAM. Like that? No. You want more? You want speak in camera? No. Allez, le prochain téléphone qui va arriver chez Elephone, donc pour l'instant c'est qu'un sample, ça sera le Vounet, alors ne me demandez pas le nom, avec un écran 2K et Android 5.0 ici. Alors, surtout l'important ça va être l'écran. On va venir ici un petit peu sur le fichier. Allez, on vous en parlait sur JT Geek, le téléphone avec les LED, donc pour l'instant on finira chez Elephone qui sont bah
les plus sympas des stands, hein, voilà, comme on connaît tout le monde et qu'on a des anciens qu'on connaît aussi. Alors avec le G9, un G9 qui est annoncé, voilà, le prix $50. Player, une marque enfin, bien de chez nous, bien de Juan Chambé, mais vous voyez comme quoi, ils ont aussi envie de se développer un petit peu. On va continuer. Donc là, à mon avis, on va essayer de faire toutes les trames parce que, en fait, c'est pas si grand que ce que je pouvais m'attendre. On a vu les ceux qu'on voulait vraiment voir, hein, ou qui étaient, choses comme ça. Ils sont là, ils sont surtout faits en tram. Je vois un petit peu ici. Voilà, c'est surtout fait de tram by tram et j'ai l'impression d'avoir loupé pas mal de choses en fait en voulant faire comme ça. C'était pas vraiment comme ça, il aurait fallu faire plutôt de long en large. Un petit mur comme ça avec plein de couleurs, ça peut être sympa. Et forcément, en fait j'arrive sur un stand, il n'y avait rien. Et en fait voilà, les accessoires de l'Apple Watch arrivent prochainement. Donc bah voilà, vous allez pouvoir trouver quoi, bah, les accessoires pour l'Apple Watch. La magnifique, la grande, la belle, avec des... Excusez-moi, demandez pardon. Alors on va retrouver des bracelets ici. Alors des bracelets en cuir ou pas vraiment en cuir. Après ce sera certainement le format qui sera intéressant. Ou des montres en silicone, on peut voir ici, vous pouvez mettre votre iWatch dedans, ça peut être bien. Là ça on aura un modèle plus doré, plus classe. Et enfin on aura bah, des modèles en croco, en cuir. Ici on va finir un petit peu là avec ces modèles là qui sont des modèles plus classe, hein, qui peuvent être assez intéressants. Surtout pour bah, car la montre vaut quand même relativement cher. Et on va finir avec ici, avec les produits, voilà, avec des produits très très sympathique, voilà, ici on a un truc, c'est pour la charge de mémoire, des films protecteurs, on a déjà vu pas mal sur le market des films protecteurs en verre, voilà. Donc une marque qui se développe un petit peu, bah oui, pour des accessoires, pour un produit, bah, pour l'instant pas beaucoup de monde a, voire personne, mais ça peut être sympathique, et puis comme toujours, une petite photo. Une bonne nouvelle, c'est que le salon est pas hyper grand en fait, ça va, je commence à prendre un peu mes repères. Alors l'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs que je connais déjà, sur lesquels je suis déjà allé, ici, alors à mon avis, on va quand même se refaire un petit peu la trame. Pour couper un peu là, oh, qu'est-ce qu'elle était belle elle en fait là ici. Là ici ils vous vendent quoi? C'est oh là, je vais faire genre je m'intéresse aux tablettes juste pour faire voir un petit peu. Ah bah ouais, en fait il y a des trucs intéressants. Donc il va y avoir de la montre ici, de la tablette, la tablette Android ici, encore de la tablette. Ah, elle méritait, hein. Elle méritait. Et ici de la tablette, encore une fois de la tablette. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein, je vous jure. Quand même, et là-bas un petit projecteur. Donc bah une usine typique, hein, de Shenzhen qui vend un petit peu tout. Voilà, vous rêviez de jouer à Candy Crush. Pas mal, ouais, ça fait un gros téléphone ici. Je m'arrête un petit peu ici parce qu'en fait on l'avait pas vu. Nous on avait vu Dino, le moche. On n'avait pas vu les belles qui vont à côté pour avec. Elle est magnifique. Super grande ici, hop là, ah, voilà, ah, la plus belle du salon, c'est bien elle là-bas. Voilà, je vous la laisse et je vous laisse lui dire au revoir. Bon, après, comme on peut s'y attendre, beaucoup de petits stands. En fait, bah, il y a une grosse partie qui est quand même dédiée aux accessoires, hein. Ils sont rangés un petit peu partout. Donc, le fait de se faire les trames un peu une par une, on peut ne pas y échapper. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, le plug. On va regarder un petit peu. Allez, on va quand même regarder un petit peu ce qu'ils vont nous vendre. Voilà, ça méritait quand même qu'on vienne. Le Pluggy Lock, en fait, c'est quoi? Alors, en fait, on pensait au début que c'était juste un bouchon. Et en fait, non, c'est pas un bouchon. C'est le même principe qu'en fait que sur un Rivet Pop. Vous allez l'ouvrir ici. Alors, attends, il sera peut-être mieux la démontre que moi. En fait, quand vous allez le visser, en fait, ça va élargir le morceau qui est dedans. On va essayer d'en trouver un. Ici. Le coin des jouets. Alors, bien sûr, ouais, je vais pas leur faire voir mes performances avec. Mes monos, voilà ça. Il y en a de plus en plus, hein. De toute façon, on vous a fait une démo, c'est quand même plutôt sympathique, mais voilà, il y a beaucoup de nouveaux modèles avec des designs qui sont assez différents. Trottinettes électriques, c'est vraiment nouveau des batteries. Mais celui-là, vous voyez, il a un design qui est un peu différent du lot. Ça reste toujours une roue,
mais et le cirque de Pékin. Mais on se retrouve avec des designs qui sont un peu différents, des formes qui sont un petit peu différentes, et les produits qui sont toujours très très sympathiques. Mais c'est vraiment, il y a vraiment une mode qui est en train de se faire avec ce genre de produits là, et vous devriez, alors il y en a beaucoup en Chine, mais je pense qu'en Europe, le jour où ça va arriver, je pense que ça va vraiment faire un carton, et tout le monde va en vouloir, et tout le monde va vouloir en faire, et ça va être plutôt la carte, parce que lui quand même il taquine, quand, on voit, quand moi je vois le niveau que j'avais avec mes petites roulettes, c'était quand même pas ça. Ah, il taquine quand même, il taquine. Un aller-retour, il est juste midi et demi, et là-bas vous voyez une sandwicherie, oh, une vraie, avec des vrais sandwichs, avec un espèce de croque-monsieur, voilà, c'est là-bas que je vais finir. On va se faire encore, oh là là, le snow, ah, ça va pas être pas mal ça avec le M8 ici. On va se faire encore l'allée ici, une, deux, et après on continuera, on va manger un petit bout, on se fera les allées comme ça de tram en tram, parce qu'en fait, qu'on fait, il y a pas mal de petits stands qui sont assez sympas, rien d'incroyable, mais avec des stands qui sont sympathiques, on peut voir des vendeurs dans le même style qu'on a pu voir un petit peu à Juan Chambé, mais mais voilà, ça permet de changer un petit peu, de voir des choses un peu différentes, des produits, vous voyez par exemple là ces câbles, même s'ils n'ont pas totalement incroyable au niveau de la coque, il y a quand même le câble dedans, et c'est vrai qu'on n'a jamais vu, donc ça permettrait éventuellement de clipser dans le téléphone et d'avoir un câble de recharge sur soi. Vous voyez, c'est quand même plutôt bien vu au niveau de l'innovation. On aimera bien le produit là-bas, enfin, assez sympathique, avec les deux câbles, on pourra ranger. Voilà, plein de petits stands en fait qui méritent en fait qu'on y passe quand même un petit peu 5 minutes pour voir, on va les voir, ils ont l'air assez sympas de nous voir. Ici, on va regarder un petit peu les produits, donc là, le Color One avec le câble. Ici, directement, on va voir, à mon avis, ça va être de la charge à induction, vous voyez, c'est un QI. Donc le QI, c'est la charge à induction, il n'y a pas de problème. Data Boy, et enfin, le arrière câble. Voilà, toujours des produits, alors après, il y a beaucoup, alors, c'est produits de Beijing. On va aller voir un petit peu dedans, ils ont l'air assez sympathiques. Ok, donc sur ce en fait, elles ont juste demandé, elles voulaient juste être sur la caméra. Voilà, en plus, elle est charmante, et elle aussi. Voilà. elles sont cool. Alors en fait, c'est juste des écouteurs, hein, des écouteurs avec, avec le Bluetooth hein, directement intégré, donc des casques qu'on a pu voir directement, que vous mettez d'oreille à oreille, avec le capteur qui est derrière, entre les deux, comme on a pu voir déjà nombreuses fois dans Juan Chambé. Et en aller d'aventure en aventure, je me perds. J'ai bien cru que j'ai fait au moins 4 fois la même allée. Donc alors là on est chez Daza. Bon bah on va pas. Il n'y a pas en fait énormément de marques. Hein. Il y a quelques marques qu'on connaît, même si elles n'étaient pas toutes présentes. Sans plus, ici. Alors peut-être là on aura une vraie montre à aiguille ici qu'on pourra voir. Sans plus, hein. C'est à peu près la même chose qu'on a pu voir déjà dernièrement. On va continuer, on sait vraiment toutes les allées, hein. Vous voyez, on passe juste 10 000 fois devant Elephone, ici, là, on va regarder un petit peu ce que le vendeur, alors là, des Elephone, Tanstone, hop là, alors avec des téléphones étanches, allez, on va aller faire un petit tour quand même là-bas, ils ont l'air bien sympathiques. Allez, il n'y a pas énormément de monde, on a un petit peu le temps, on s'arrête sur la marque Tonein, ici, qui en présente un téléphone étanche et waterproof. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on aura? Un MT7735, donc il est bien 2G, 3G et 4G. Ici, donc on va bien au niveau des fréquences, on va essayer de ne pas faire trop de reflets. 4G, un écran QHD de 4,5 pouces. Avec un... Alors, c'est pas un gros cul, c'est un petit cul, hein, on leur dira. Parce que c'est une petite HD. 13 millions de pixels, GPS, GPS, Bluetooth. Pas mal de sensors ici. Donc le téléphone, la particularité c'est qu'il est IP68, donc étanche. Ici, bon, on va leur dire pour l'histoire du QHD. Et puis on essaiera de voir avec eux si on peut poser éventuellement un rendez-vous pour avoir une review. Ça peut être un modèle qui peut être intéressant, une nouvelle gamme, une nouvelle marque de smartphone. Pourquoi pas, vous voyez, ils ont quand même 2-3 smartphones qui sont étanches, pas incroyables mais étanches. En même temps, il vaut mieux ne pas en avoir beaucoup et que ce soit des bons. Allez, nouveau stand, on passe ici. Alors, bienvenue, alors, on a trouvé le stand Ding Ding, on va être une marque qu'on vous a parlé sur JT Geek. Donc en fait, on a trouvé un manager qui est juste super sympa et très excité parce qu'en fait, il était tout fier de nous dire qu'il travaillait avec Guy Chana. Donc quand on lui a dit, ah, vous connaissez Andy et tout, donc bah, ah oui, bah,
se connaît quand même un petit peu, on est en Chine. Alors, sur le stand, ils présentent quoi? Le SK1, qui est un petit téléphone de 4,5 pouces. Allez, avant d'aller manger, on finira par les deux dernières marques. On finira avec la marque Simdo. Alors, le voilà, le téléphone. Bon, je fais voir, c'est un factice, hein, parce qu'il est quand même juste énorme. Voilà, le plus intéressant, c'est celui-là, ici. Donc, on arrive sur une configuration ou un peu configuration waterproof. En théorie, il est... voilà, il est un peu cruche. Vous allez pouvoir le mettre un petit peu dedans, comme ça. Bon, il est 13h10. Là, je commence à avoir faim, pour de vrai. Alors, on va finir un petit peu ce stand-là avec la marque Snowpaw, ici. Donc, vous verrez plein de modèles. Alors, le modèle qui est assez sympathique, c'est probablement la montre connectée, qui a l'air assez robuste, costaud. Ensuite, voilà, leur créneau, on sent bien que c'est le produit costaud. Alors après, c'est pas les plus design, mais c'est assez sympathique. Donc voilà, il est temps de manger. Je suis content. Trouver là le Japanese style porc, là, ça peut être pas mal, ça. Hop, ici, là, vous voyez pas. Donc voilà, une assiette où on va retrouver un petit peu de porc, un peu de manger et tout, parce que là, j'ai quand même besoin un peu de prendre des forces. Allez, on va commander et je vous retrouve juste après, parce que là, il y a plein de choses à dire. Bon, nous y voilà, comme promis. Donc là, ça sera du porc avec de la betterave. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Du riz, de la sauce au Labrador, je ne pense pas. Donc voilà. Donc un petit bilan de mi-salon en fait. Bah oui, il faut que je tourne le micro, sinon on ne s'entendait pas. Un bilan plutôt positif en fait pour la moitié de ce salon où on a vu déjà pas mal de marques qu'on connaissait, on en a découvert d'autres, on a trouvé des personnes qui étaient... Oh, il y a le stand pompe qui est là-bas. On a trouvé certains qui étaient très intéressés par l'idée, d'autres qui l'étaient un peu moins parce que trop vendeur ou trop pas assez impliqué dans la compagnie. Mais dans l'ensemble, on a pris pas mal de bons contacts, on a vu pas mal de nouvelles marques, on a pris énormément de cartes de visite, on a donné aussi pas mal, mais ça permettra d'avoir vraiment un visu de ce que peut être le marché du smartphone chinois. Pas mal de bons contacts, donc c'est assez intéressant, je suis assez content, on a vu pas mal de choses plutôt sympathiques, et je vous ferai un bilan à la fin, mais pour l'instant c'est très 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 positif. Allez, c'est reparti, après avoir mangé, donc tout est une question d'espace, hein. Au début je trouvais ça très très grand. Maintenant, bon, une fois que j'ai fait tous les allées de long en large en travers, que j'ai fait un peu pipi partout pour poser mes marques, et bien du coup ça va un peu mieux. Voilà, maintenant du coup on fait les allées, on sent que bon bah il y a énormément de stands, beaucoup de travail en même temps pour visiter. S'il faut les faire un par un, malheureusement une journée n'y suffira pas. Après on peut faire un peu dans l'ensemble, quelque chose d'assez rapide. Qu'est-ce que c'est la purida? Purida, je ne sais pas cette marque là. Ils font des batteries en fait, hein. Je pensais que c'était des smartphones, non. On va prendre un petit peu les trams comme ça, de long en large. La fine. Oh, dis donc, je vais vous la zoomer celle-là quand même un petit peu. Elle est où? Là-bas. Hein? Tout à l'heure, si vous êtes sage. Et surtout si elle est encore là. Parce que, en fait, à la vitesse où je fais les trams, à mon avis, ça sera le soir, elle sera plus là. Donc on va se faire un peu les allées, comme ça, pour finir, essayer de trouver des trucs intéressants, des marques qui peuvent être bankable. Et puis, bah, si on trouve des choses, on s'arrêtera. Sinon, bah, on continuera au pas de course. Mais je trouve que dans l'essentiel, on a quand même fait une bonne... on a quand même fait une bonne journée. On a vu quand même pas mal de choses intéressantes. Beaucoup d'OM, hein, d'OM, ODM. Quand même, des gens qui veulent fabriquer sur demande. Ici... J'allais dire, elle est pas très souriante et en fait, vous voyez, elle m'a eu par surprise. Ici, bon, Daza, pas super convaincu. Là, Grand Time, non. Bon, beaucoup de petits. Il y a quand même pas mal de petites marques, hein, malgré tout. Ici, on va regarder. On va avoir un petit tour après Tech. Un modèle chez Shui, comme on a pu voir à peu près, bah, déjà chez Pipo, et là on peut l'ouvrir. C'est exactement la même chose, hein. C'est le même support, je vous montre si c'est pas la même tablette. Voilà. Bon, elles étaient bien chez Blackview, mais elles ont fini de travailler. Voilà. Hi. Allez, un petit tour chez Pompelop, bien sûr, vous penserez bien. Il fallait que je la fasse celle-là. Alors Pompe, c'est une marque qu'on avait connue déjà depuis un petit moment en fait, nous à Shenzhen, et sur laquelle on avait testé un modèle il n'y a pas trop trop longtemps, mais vous remarquerez que au niveau smartphone c'est un peu le désert. Les modèles un peu étranges, hein, vous voyez comme quoi. Vous voyez celui-là avec un paiement par carte. Voilà, pas vraiment ce qu'on pouvait attendre d'un smartphone.
ici, voilà, avec une technologie, voilà, pour ouvrir les serrures, comme ça. Donc ça peut être intéressant, mais pas bon, moi. Moi, je voulais que du smartphone ou du truc vachement bankable. Donc on va continuer. Puis on va essayer de trouver quelque chose de bien. Mais là, apparemment, de plus en plus, hein, les stands, on est sur de l'OM ou de l'ODM. Hein. Ça veut dire des petits fabricants. Vous leur demandez ce que vous voulez, ils peuvent vous en faire. À partir du moment où vous en prenez un petit peu, mais on n'aura pas de vraies marques comme ça, comme on aurait pu en rêver ou en vouloir. Mais on va quand même se faire les allées vite fait. Et après, je vous promets, on va finir en théorie par un truc de dingue. Allez, un stand, non pas parce que... En fait, juste parce que le stand, il est trop brillant. En fait, ils ont mis tellement d'éclairage que ça méritait quand même de faire un petit détour pour la marque IMG. Allez, un petit stand comme ça au passant, le stand MegaView, en fait, qui va vous proposer des lunettes ici. Alors, il y a pas mal de lunettes, surtout des lunettes de sport, mais il y a surtout des lunettes avec caméra. On va plutôt appeler ça des caméras espions. Celles-là, elles sont quand même juste trop stylées. Vous voyez, on voit pas du tout la caméra. Celle-là, on sentira bien qu'il y a la caméra au milieu. On est sur de la caméra sport, on n'est pas sur de la caméra espion. Voilà, il veut absolument. Voilà, oh yeah! Oh yeah! Ah. Johnny Hallyday. Ici, donc voilà, là on est sur de la lunette plutôt classique mais quand même assez discrète. Vous voyez, on voit pas trop. Non, elles sont bien faites. Apparemment, ils sont assez emballés par le fait qu'on puisse parler de leurs produits et de faire de jolies reviews. Moi, je suis assez emballé aussi pour tester des produits comme ça. Vous voyez, celui-là, là-bas, celui-là, il est trop stylé. Vous voyez, on voit pas trop pour les caméras. Hein. On sent qu'il y a certains où on voit un petit peu et d'autres où c'est quand même un peu moins flagrant. Donc, ça fait des produits qui sont plutôt sympathiques avec une équipe qui est bien aussi. Donc, voilà, ça sera des produits qu'à mon avis, vous allez voir en review très, très, très prochainement. Bon, il est 14h et je vous cache pas que, bah dis donc, c'est moi qui parle, je vous cache pas que je suis arrivé à 10h, que ça va faire, ouais, ça fait juste 4h que je tourne et que je retourne dans les stands. On a vu pas mal de choses, on a posé pas mal de contacts qui sont assez sympas, des gens qui sont relativement intéressés par ce qu'on fait, donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Après, j'ai un peu mal aux pattes quand même, malgré tout, je vous cache pas que on tourne, on retourne et on vire de tous les côtés. Ici, bah, on est chez Cube, bien sûr, on est venu, on savait pas, mais on est venu quand même chez eux. Ici, donc là, c'est pour Smart Thermometer, ouais, pourquoi pas. Ça peut... Ici, en banquier direct, ça ne m'intéresse pas. Alors, on va essayer de trouver d'autres stands, et puis si on trouve des trucs relativement sympathiques, on fera une petite vidéo ou pas. Bon, pour mes Geek Plus, on a dit qu'il y en aurait plus, qu'on marcherait un petit peu dans les allées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un petit peu comme bilan. Alors, on notera quand même qu'il y a des marques qui ne sont pas venues du tout. On va penser à Umi, c'est-à-dire avec le nombre de téléphones qu'ils avaient. Même pas un petit stand, même pas un petit rien, même pas un petit quoi ou un petit caisse. Non, il y a des marques qui ont quand même pas pris le temps de se déplacer. Wasking, pourquoi pas. C'est vrai que bon, la marque Chouin, je ne connaissais pas. La marque Lego, bien sûr, qu'on a fait au début. Bon, bah, on est bientôt fini. On va pouvoir continuer comme ça. On va se faire un petit peu les allées. Bon, là, je vais un peu plus vite. Hein. Je ne cache pas que le rythme est un peu plus soutenu. J'ai un peu ma claque. À chaque fois, je répète la même chose. Voilà, on est blogueurs, Shenzhen et tout. Bon, après, voilà, il y en a beaucoup qui sont pas super connus, qui ont envie et qui sont assez réceptifs à l'idée de la chose. Après, voilà, on tourne en rond, on trouve bah, souvent les mêmes produits, souvent les mêmes choses. On va continuer un petit peu. Et puis après, voilà, il faut absolument que je finisse par le 10. On m'a dit qu'il fallait que j'aille au milieu, que je vous fasse voir un truc. C'est la meuf de l'agent de la presse de Sarah qui est venue. Et en plus, elle m'a donné un ticket gratuit pour repartir, pour me payer un petit peu le train. Comme quoi, sympathique. Elle m'a dit absolument, il fallait que j'aille voir là-bas, il fallait que j'aille montrer un truc. Donc il va falloir qu'on y aille. Ça va plaire à mon ami Morpheus. Morpheus qui n'est pas du tout pour Morphée, mais qui est plutôt pour Morpheus. Je veux dire, voilà quoi, de Matrix, bien sûr. Ici, donc là, il y a des sous-marins, il y a des choses... Ah, des téléphones plutôt étanches avec Ufone. Allez, on va s'arrêter un peu ici, on va regarder. Ah, je suis une brute. Elle m'a dit, vous allez faire des vidéos et tout. Non, bah là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je fais que semblant, je regarde, je me balade. Et c'est vrai, si vous voulez des... On me dit, ah, prenez des vidéos de mes produits et tout. Je dis, bah, tu veux des vidéos de produits? Tu m'appelles après, on se rend compte, hein. Tu mets une jolie jupe, et comme elle là-bas. Et on essaie de voir un petit peu les produits que, selon il veut parler. Et on fait des reviews, et là, ça peut être super sympa. Allez, on va regarder un petit peu côté des montres. Oh, celle-là, elle est juste magnifique. Bon, je vous
vous cache pas que je suis super content, il me reste deux allées. Il me reste deux allées et j'aurai, voilà, après une fois qu'on aura fait le bout, on sera plutôt pas mal. On aura fait à mon avis l'ensemble. Donc des produits, des halls. Alors ce qui c'est le plus difficile, c'est vrai, sur la fin, c'est vraiment de faire attention à toutes ces marques qui sont OEM, ODM. Ça veut dire qu'en fait, c'est des marques, mais c'est justement la marque de l'usine. Et en fait, ils vous disent bien qu'en fait, leur but n'étant pas de vendre un modèle particulier, mais de vendre un modèle pour la production. Ça veut dire qu'après, bah, vous les contactez et bah, ils vous produiront le modèle qui vous intéresse. Là, on va avancer un petit peu. Ici, on va enquiller un petit peu les deux derniers, à mon avis, au pas de course. Parce que j'ai l'impression que je suis déjà venu, même si j'ai commencé par la fin. Donc c'était plus intéressant de commencer par la fin. Voilà, donc là, les derniers, ils auront un peu moins d'attention. Parce qu'il est déjà quand même juste 14h. J'aimerais bien encore y rester une heure maximum. Et après, on essaiera d'enquiller le bateau. Allez, on finit. Là, je sens bien, on est dans les dernières allées. Hello. Hi. Hello. Oh, we are taste the label in Shenzhen. Only one. Thank you. Alors, on continue. Allez, nous voilà chez Homemade. Ouais, Homemade, où en fait, bah, ça parle français. Donc c'est bien. Et en plus, on a une superstar. Ouais, trop bien. Ah, peut-être que vous avez vu ces vidéos. Je pense que oui. Alors, en fait, chez Homemade, ils nous ont présenté, en fait, il y a la nouvelle, la Racer. La Racer. Ouais, la Racer, voilà, celle-là. Ensuite, le modèle girly. Et donc la Homemade X qu'on a lancée. Alors la Homemade X qui est là-bas au fond, ici, voilà. Qui est lancée au mois de septembre, ok. Voilà. Alors après, est-ce qu'ils vont nous envoyer une montre pour la review? Je sais pas, on verra. On a laissé une carte, on vous dira. Bon, on aura passé pas mal de temps chez Homemade, c'est normal, c'est des Français, hein. Ça change un peu. Qui contacte pas mal, bah, avec Nicolas, qui est un blogueur qui est bien, un peu moins d'abonnés que nous, mais comme il parle anglais, il a un peu plus de vues. C'est quand même plutôt sympathique. Et donc voilà, donc il devrait y avoir en théorie du Homemade en review pour bientôt. Hein. C'est ce qu'elle m'a promis. Là, ils en avaient pas, hein, de sample et tout. Mais en théorie, on devrait bientôt avoir du Homemade en test. Donc ça peut être plutôt bah, sympathique, hein, de voir une nouvelle marque comme ça arriver sur le JT Geek. Je vais baisser un peu la sensibilité. Elle était bien descendue au minimum ici. Alors on va continuer par là et ensuite on va essayer d'aller voir le stand 10 en fait. Alors là, le sport, on va passer par là. Gestion for 2015 show now. Donc la restauration non. Alors on va essayer d'aller au prochain stand, on va sortir et on va essayer d'aller au numéro 10. Là on nous a dit que, voilà, pour finir en fait avec un truc incroyable qu'elle nous avait promis. Elle dit allez voir au 10, allez voir au fond, vous allez voir un truc de dingue. Donc, alors voilà, on a fini notre journée, smartphone et tablettes, une grosse journée, on a quand même bien marché, on a vu quand même pas mal de choses. Maintenant, on va enquiller le hall 10, alors on nous a dit vous allez au 10 et vous allez tout au fond et vous allez voir un truc trop bien, on espère que ce soit vraiment trop bien. Et on pourra vous dire un petit peu, on va scanner le badge. Thank you. Et on n'aurait même pas besoin de scanner nous. Alors là, on est surtout sur la partie accessoires. On nous a dit accessoires et vous allez tout au bout. Alors en même temps, je suis pas super intéressé, mais pourquoi pas, hein, il peut-être y avoir des choses intéressantes. On va tourner un petit peu la caméra, qui arrêtez de me voir ici. Voilà, ça c'est pas mal ça, fabriqué à Paris. Et l'Inexperia, ah, ça sent... Je vais tourner un petit peu le micro. Mais j'ai cru qu'on n'allait pas trouver. Voilà le stand qu'on nous a dit qu'il fallait absolument aller voir, c'est le Robotic Experience Zone. Voilà, où il va y avoir des trucs un petit peu incroyables. Alors, c'est ça. The material that you see, it uses 95% less energy. It's porous. On arrive un petit peu en retard pour la démo. So that when our robots smile and frown, the wrinkles appear. Okay? Because the skin is like human skin. Okay? So behind the skin, we have tons of other really interesting technologies like software, hardware, system integration, emotion engines. Have we talked yet? No, okay. So we put all of that together so that technology can smile at you to make you smile back. Hi. This is Google Voice connected to our character engine. How are you? I can follow a lot of things, like our discussion about what is your middle name. Try being more specific. What's your name?
Khan. Do you like Chinese food? Yes, I like Chinese food. Electricity. Oh, electric Chinese food. So we asked a very funny question the other day. We'll ask it again. Do you have a Chinese girlfriend? That's an interesting question I don't hear every day. Do I have a Chinese girlfriend? I have a great handsome robotic speed. He's got to answer it, right? How many Chinese girlfriends do you have? What is your current status? How many Chinese girlfriends do you have? Updating your status too. How many Chinese girlfriends do you have? How many Chinese girlfriends do you have? Not as many as you might think. We were at a press conference a week and a half ago. He actually said, I have 1 million Chinese girlfriends. So in China, there is now a video campaign where people are being asked whether they want to be Han's girlfriend. Does anybody have a question? Do you like beer? You can see this software, not our software. Again, we are very happy to work with many software partners. Is looking across, trying to identify boy, girl, age, happy. Everybody smile. Happy, happy, happy. Everyone be surprised. Surprise, surprise, surprise. Social therapy for autism, where you have to smile the same way again and again, 10,000 times for that child to understand. Imagine a caregiver for voilà, donc on terminera là-dessus, sur cette intelligence artificielle, avec un robot mécanique qui était juste bluffant. Après, c'est l'université de Hong Kong en fait qui finance ça, donc ils le disent bien, leur but c'est pas de gagner de l'argent, le but c'est de sortir quelque chose de concret, quelque chose qui fonctionne avec l'intelligence qui peut être comme on peut voir maintenant de plus en plus, via un smartphone qui permet d'avoir la puissance de calcul. Donc un truc qui est quand même super intéressant et qui est juste bluffant, et comme il l'expliquait un petit peu à la fin, voilà, vous allez pouvoir lui expliquer 1000 fois la même histoire, et la 1000 fois il vous dira que c'est bien, donc c'est pour les personnes âgées, ça peut être pas mal, si vous avez tendance un petit peu à radoter. Voilà, ainsi se termine un petit peu notre salon de Hong Kong, donc le mobile électronique. Donc deuxième partie, à savoir que c'était vraiment différent du HKTDC, comme la dame nous l'a expliqué un petit peu, c'était vraiment du global sourcing. Ici, le but c'était vraiment d'acheter, mais l'ambiance était quand même un petit peu différente de ce qu'on a vu sur l'autre salon, où on avait quand même un salon qui était différent, mais là, surtout sur la partie accessoires, on se rend compte que c'est très très classe, hein. Beaucoup de marques très haut de gamme, assez premium, donc quelque chose de plutôt intéressant. On a noué de très très bons contacts. Après, peut-être qu'il aurait fallu venir 2 jours, comme on a vu sur le précédent salon. Une journée, en fait, pour les téléphones, comme on a pu faire ce matin. On a quand même fait 11h jusqu'à quasiment 15h. Non, de 10h jusqu'à 15h. Donc, ça fait quand même 5h pleines pour les smartphones, pour faire ça tout bien, de long en large, en travers, poser un petit peu les contacts. Mais je pense que vous allez voir de la review prochainement, ça nous fait plaisir. Et après, une partie qui sera plus dédiée à l'accessoire, mais là encore une fois, je pense pas que leur but ce soit de faire de la review. Leur but ici, c'est, quoique ça pourrait les intéresser, mais déjà pour nous, c'est des produits qui sont quand même relativement cheap, on va pas faire de la review non plus pour des housses ou des étuis, hein, un ou deux ça va, mais après au bout d'un moment ça sera un petit peu relou. Mais avec des produits... Alors attendez, j'ai perdu le fil parce que les gens me regardent et ils me perturbent un petit peu. Parce que je marche quand même en plein milieu de l'allée et c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, on va pas faire des reviews sur les produits, c'est plus intéressant pour nous les produits high-tech. La marque des lunettes était assez intéressée avec les caméras sport. On a trouvé les marques waterproof aussi. Elle a juste oublié son short. Je vais essayer de vous faire voir un petit peu. Voilà, vous la voyez derrière moi? Voilà, elle a juste oublié son short. Ici, c'est bien, on peut jongler un petit peu. Donc voilà, on finit un petit peu ce high-tech fair. Non, mobile exhibition. Il va falloir que je m'y fasse un petit peu. En mode, je suis un gueudin dans les allées avec ma caméra qui est quand même juste à hauteur d'homme, en train de me filmer et de m'enregistrer. On va essayer de repartir dans l'autre sens. Ce matin, on a mis 3 heures. Alors, il faisait pas beau, je n'ai pas fait la vue du bateau, hein, parce que bon, c'était un petit peu couvert. Il a fallu 3 heures. Le temps d'aller au bateau, de prendre le bateau. Le bateau, en fait, ne va pas jusqu'à l'aéroport si vous n'avez pas de ticket. Il faut prendre le bateau jusqu'à Central. Après, Central prend la ligne express. Donc là, on n'aura pas besoin de payer au retour. On a réussi à c'est le mobile électronique exhibition. La meuf, elle m'a donné une carte pour que je n'ai pas besoin de payer pour le retour. Il faudra quand même que je paye un petit peu le bateau.
que c'est pas excessivement cher. C'est 120 RMB, ça vous fait un truc à... Ça fait 6, ça fait 18 euros. Bon bah 18 euros, c'est aller, 18 euros retour, plus l'express, plus le manger. Enfin, c'est pas des journées en fait, tout compte fait, qui sont gratos. Ça fait des petites journées à 100 euros. Dis donc. Alors elle, dis donc, elle a accepté. Hein. Vous n'aurez pas vu, vous pouvez pas tout voir. Voilà, donc ainsi se termine ce salon. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'aurai pas trop parlé pour le sous-titrage, mais il fallait un petit peu ça. Et puis voilà, bah après si vous êtes Geek+, ou vous pas, vous retrouverez toutes les reviews des appareils petit à petit. Au long en long, on essaiera de faire des... un téléphone par jour, parce qu'après ça va faire beaucoup trop de vidéos, des petites vidéos, surtout de prise en main. Rien d'incroyable, mais ça permettra bah, de vous présenter un petit peu les modèles. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité. Ce salon est maintenant fini. Ouh, tranquille. Le prochain salon, c'est Tokyo. Ouais, trop génial. Allez, des prospérités.